Marc Lavoine est un homme heureux et surtout amoureux d'Adriana Carambeu. Le chanteur a accepté de se confier sur leur relation. L'idylle a été mise en lumière par les paparazzi au début de l'été. Cependant, les amoureux auront attendu la rentrée pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas que d'un amour de vacances. C'est sur le tapis rouge du Concerto pour la paix, mercredi 18 septembre, qu'Adriana Carambeu et Marc Lavoine ont officialisé leur couple. Il l'aime et l'exprime, seulement pas encore en chanson. Sous les flashs des photographes ce soir-là, le crooner a multiplié les gestes tendres à l'égard du mannequin, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Très beau couple, trop mignon ou encore il est love de ouf, c'est mignon, ont commenté des internautes. Marc Lavoine, moi, oui, je suis très amoureux, très. Pour l'interprète du tube Les Yeux Revolver, l'année 2024 est décidément placée sous le signe de l'amour. Prochainement, la ballade phare de celui qui a divorcé de la romancière Lina Papin en 2022 aura 40 ans. Invité chez RTL pour la sortie de son nouvel album, justement baptisé Revolver, le chanteur s'est ouvert sur la question ultime. Amandine Bégaud lui a ainsi demandé s'il était amoureux, ce à quoi il a rapidement répondu « Moi. Oui, je suis très amoureux. Très. » Fier au possible de sa nouvelle compagne, la star n'hésite pas à la couvrir d'éloges, les ondes étant manifestement un terrain sur lequel il se sent particulièrement à l'aise dans cet exercice. C'est la première fois que je me retrouve avec quelqu'un de connu, a-t-il dernièrement confié au micro de RFM. Elle est magnifique, elle est vraiment très belle, elle est très drôle, elle est brillante, elle est intelligente. Elle a une profondeur inouïe, elle met les mots les uns après les autres, elle les habille de beauté. Je deviens fou. Marc Lavoine et Adriana Carambeu, un couple qui ne se cache aucunement. Dimanche 27 octobre, Marc Lavoine intervenait dans le podcast Popsplay, l'occasion de se livrer, encore, sur sa romance avec sa belle. Cette fois-ci, l'artiste s'est penché sur l'effet que leur célébrité a sur leur relation balbutiante. Aujourd'hui, par exemple, puisque je suis avec Adriana Carambeu et que ça se passe bien, cette célébrité a beaucoup moins d'impact sur moi, a-t-il commencé. Avant d'ajouter, c'est-à-dire que, comme vous nous voyez en photo, on n'a jamais posé pour des photos, on a toujours été pris par des gens, on est comme ça. On est comme ça quand on se promène dans la rue et on s'en fout, elle est libre et moi je suis libre aussi. Marc Lavoine très à l'aise avec sa notoriété. Vivre heureux n'implique donc pas forcément de se cacher, du moins pour le chanteur et son top, indifférent aux objectifs. Très à l'aise avec sa notoriété, Marc Lavoine n'est pas de ceux qui esquivent les échanges parfois incongrus avec les passants. L'autre jour, il y a un type sur une bouche de métro qui me dit « Putain, t'es fort quoi, c'est génial ce qu'il t'arrive. Les gens sont heureux de ce qu'il m'arrive, et moi je suis heureux de ce qu'il m'arrive », a-t-il raconté, amusé.